énergie fossile suscite une, plus que de la passion, un rejet. Sans hésiter, les ingénieurs doivent participer au concert, au débat public. Mais engagez-vous pour des causes, engagez-vous pour que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie. J'apprends qu'il en est un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels. Qu'ils viennent me le dire. Par exemple, tous les Français savent que la Terre est ronde. Mais combien savent dire comment on a su qu'elle est ronde? Pour sortir de la crise climatique, j'en suis convaincu, il ne faudra pas moins de science, il faudra plus de science. On va produire des connaissances, on va mobiliser des savoirs pour soutenir une certaine ligne d'action. La science dit-elle la vérité? Question fondamentale pour les ingénieurs en devenir réunis ce soir dans cet amphithéâtre, amenés à consacrer leur vie à des œuvres scientifiques, à mener des équipes, à conduire des projets. La science signifie étymologiquement la connaissance, le savoir. Derrière l'élégante personnification qui fonde notre sujet se cache, de fait, un premier paradoxe: ce que nous croyons savoir n'est pas toujours vrai. Nos connaissances sont parfois erronées. Par conséquent, même si le propre des disciplines scientifiques est d'alimenter le savoir de l'humanité, les conclusions qu'elles livrent ne sont pas toujours exactes. Pour reprendre les mots de Montaigne, nous ne sommes savants que de la science présente. L'histoire est jonchée de tels exemples. De l'idée commune de la platitude de la Terre, au discours convaincu des vertus du radium lors de sa découverte, nombre de théories communément admises comme vraies par la communauté scientifique se sont finalement avérées fausses. Néanmoins, ce rapport conflictuel qu'entretient la science avec la vérité est souvent de courte durée. Avec le temps, alors que les méthodes et les outils des scientifiques s'affinent, les fausses idées sont la plupart du temps infirmées, alors que les théories correctes sont validées par l'expérience. En général, avec le temps, la science corrige la science. En réalité, comme l'a si justement énoncé Romain Gary, le paradoxe de la science est qu'il n'y a qu'une réponse à ses méfaits et à ses périls, encore plus de science. Nous vient alors une interrogation légitime. Comment remettre en cause les nombreuses certitudes que la science nous a apportées? Le progrès scientifique a bouleversé notre existence. Il a prolongé considérablement notre expérience de vie, amélioré notre quotidien, permis le développement des transports à grande échelle et le tourisme, propagé nombre de connaissances et de savoirs à travers le monde, lancé l'avènement d'Internet. La science est un espoir de vie longue et meilleure, saine et distrayante. La science est notre meilleure lueur d'espoir même face à la maladie, à la pauvreté, aux crises en tout genre. De ce fait, pourquoi s'obstiner à en vouloir en faire le procès? À l'aune de l'actualité récente, un pan de l'opinion publique se dresse contre elle, la désigne responsable des maux qui s'abattent sur le monde. L'échec de la science serait total. Impuissance à solutionner le réchauffement climatique, à fournir une source d'énergie verte pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Impuissance à régler les conflits militaires qui stagnent aux portes de l'Europe et menacent notre sécurité. Impuissance à rétablir la confiance entre le peuple et le politique, jugé rompu. En opposition au raisonnement scientifique efficace et rigoureux, le complotisme offre des solutions faciles, faisant largement appel aux émotions. Les théories scientifiques fallacieuses, trompeuses et non rigoureuses prospèrent et fleurissent sur Internet. Les personnalités publiques, parfois présentes aux plus hautes sphères des États, affichent leur mépris pour la science et pour la réflexion qu'elle amène. La science dit-elle la vérité? C'est un sujet d'actualité brûlant, un sujet sur lequel chacun devrait se pencher. Pour nous guider dans notre réflexion, trois invités de renom nous font ce soir l'honneur de leur présence. Étienne Klein, vous êtes une figure majeure de notre école. Alumni de Centrale Supélec, vous êtes également professeur de philosophie.
Physicien de formation, vous êtes également titulaire d'un doctorat en philosophie des sciences. Vous entrez en CEA au CEA en 1983, êtes détaché au CERN de 1992 à 1994, où vous participez à plusieurs projets d'envergure. Depuis 2007, vous dirigez le laboratoire sur les sciences de la matière que vous avez fondé et que vous quittez à l'instant pour venir échanger avec nous. Stéphanie Ruffy, vous êtes professeure de philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Initialement formée comme ingénieure aéronautique et titulaire d'un doctorat d'astrophysique, vous vous envolez finalement pour les États-Unis pour obtenir un PhD en philosophie à la prestigieuse Université Columbia. De retour en France, vous prenez comme thème de prédilection dans vos recherches les liens entre science et démocratie, l'intégrité scientifique ou encore la gouvernance de la recherche. Depuis 2021, vous êtes également directrice de l'Office français d'intégrité scientifique, l'Office, chargée de promouvoir les actions en faveur de l'intégrité et du respect des bonnes pratiques en sciences. François-Xavier Bellamy, on vous connaît en tant qu'homme politique et plus précisément député européen. Nous vous recevons aussi et surtout ce soir en tant que professeur agrégé de philosophie. C'est à ce titre, entre autres, que vous avez notamment créé les soirées de la philo, un ensemble de conférences philosophiques à destination du grand public. Cette double fonction se révèle particulièrement pertinente pour étudier notre sujet, étant donné les atomes crochus qu'entretiennent le politique et le scientifique en cette période de crise sanitaire. Ce soir, pour la première table ronde de l'année, Symposium est honoré de recevoir trois invités prestigieux pour réfléchir sur un thème essentiel et des plus passionnants. La science dit-elle la vérité ? Vous avez 1h30. Merci beaucoup Victor pour cette belle introduction. Merci chers invités d'être présents parmi nous et merci cher public d'être venu ce soir pour se poser avec nous la question suivante : la science dit-elle la vérité ? En effet, ces dernières années, on constate une remise en cause grandissante de la science qui ne dirait aucune vérité. Monsieur Bellamy, dans votre ouvrage Demeure, vous écrivez même : il n'y a plus de réel à décrire. Il suffit d'inventer, si nécessaire, quelques faits alternatifs. Tout se transforme, tout s'écoule. Selon vous, quelles sont les causes de cette montée en puissance du conspirationnisme face à la science et plus généralement de ce relativisme contemporain que vous décrivez dans Demeure et qui remet en cause l'idée même de vérité ? Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à l'association Symposium qui nous accueille. C'est une grande joie de venir partager cette réflexion sur un sujet qui est d'une très grande actualité, et vous le disiez notamment dans les débats qui traversent notre société et le champ politique lui-même. Mais je viens à cette question avec beaucoup d'humilité, parce que parler de science à des ingénieurs, c'est évidemment, pour un professeur de philosophie, ça n'est pas une évidence. Et par ailleurs, je ne suis qu'un professeur du secondaire, ce qui est une très belle tâche, mais je parle à côté de grands universitaires, donc... J'espère pouvoir contribuer à cet échange justement en évoquant avec vous cette question de la montée d'une forme de scepticisme contemporain. Et au fond, si on devait en parler avec le regard de la philosophie, on pourrait sans doute trouver bien des échos de notre époque dans celle qui a vu naître la discipline philosophique au sens précis de ce terme. Il y a bien sûr une philosophie d'avant la philosophie, une philosophie d'avant l'œuvre platonicienne, la philosophie présocratique, mais le travail de Platon, la figure même de Socrate, a sans doute partie liée avec la crise de la démocratie athénienne entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, dans ce moment où justement fleurit de nouveaux usages du discours qui insistent sur le fait que le discours, comme le disent les sophistes, comme le dit Gorgias par exemple, que le discours est un grand maître, que le discours peut disposer du réel en quelque sorte. C'est la maxime bien connue de Protagoras, que l'homme est la mesure de toute chose. Cette affirmation n'est pas un gage d'humanisme, elle est plutôt une forme d'affirmation, d'un scepticisme radical, que l'homme est la mesure de toute chose, c'est-à-dire que chacun est la mesure du vrai, que chacun peut dire ce qui est à partir de son propre jugement. Et de là s'efface toute perspective d'une recherche rigoureuse de la vérité qui suppose précisément un effort d'humilité, qui suppose de reconnaître que le réel ne m'appartient pas et que chercher la vérité suppose de reconnaître qu'elle n'est pas d'abord la mienne. Le maître mot du relativisme contemporain, c'est que chacun a sa vérité, ma vérité, ta vérité, qu'on peut mettre un possessif à la vérité d'une certaine façon. Le relativisme nous a promis le pluralisme, mais en réalité, le relativisme a surtout
condamner la possibilité du dialogue et la possibilité de ce dialogue exigeant qui se noue dans la recherche de la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons collectivement dans notre rapport à la science, mais aussi dans notre rapport à la politique, dans notre rapport au débat public d'une manière générale, que on le voit particulièrement sur les réseaux sociaux, par exemple, comme dans l'exercice démocratique lui-même. Il n'y a plus de véritable occasion de conversation, en tous les cas c'est le sentiment qui peut nous animer, de conversation dans la recherche du vrai, mais le sentiment troublant que chacun possède la vérité, c'est l'exemple que citait Étienne Klein dans Le goût du vrai, quand on interroge les gens sur « pensez-vous que ce remède est efficace contre le coronavirus ?» Eh bien il y en a, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais mettons 40% répondent oui, 40% répondent non, et 20% disent « je ne sais pas », au moment même où personne d'ailleurs ne sait encore exactement quelle est l'efficacité du médicament. Donc chacun prétend posséder la vérité. Personne n'a l'humilité de sortir du relativisme qui nous oblige à penser que la vérité est d'abord un objet de recherche plus qu'un sujet de maîtrise. Peut-être d'ailleurs la science elle-même doit-elle s'interroger sur le fait qu'elle a, pendant un certain temps, vous évoquiez la révolution technoscientifique qui a marqué notre monde, peut-être la science a-t-elle trop prétendu posséder la vérité et s'expose-t-elle aujourd'hui à une critique trop facile ? Mais en tous les cas, il y a dans ce relativisme contemporain un défi lancé aussi bien à la science, encore une fois, qu'au langage et à tous les usages de la langue d'une manière générale, notamment dans le champ politique et démocratique. Justement, vous parliez d'une conversation impossible, et M. Klein, peut-être l'avez-vous démontré récemment avec votre canular du chorizo Proxima du Centaure. Pour vous, quelle est la part de responsabilité des réseaux sociaux dans ce phénomène, dans ce conspirationnisme contemporain ? D'abord, merci pour votre invitation, même si, je dois vous le dire, je l'ai acceptée sans comprendre la question posée. Parce que la science, dit-elle la vérité, laisse entendre que la science parle. Mais la science, elle ne dit rien. Et imaginer que la science ne dirait pas la vérité supposerait que la science ment. Ce qui est une autre façon d'aborder la même question. Donc, je pense qu'il faudrait y revenir. Qu'est-ce qu'on entend par cette question ? Et quand on dit qu'on a confiance dans la science, par exemple, ou en la science, comment se comprend cette question ? Est-ce que ça veut dire qu'on croit les scientifiques quand ils parlent, tous, ou bien certains d'entre eux spécialement ? Est-ce que ça veut dire qu'on pense que la science est une démarche de connaissance qui permet d'accéder à des résultats scientifiques qui ont un certain statut ? Ou est-ce que ça veut dire qu'on fait confiance à la science pour résoudre les problèmes qui se posent à nous ? Changement climatique ou autre ? Vous voyez que c'est trois façons différentes de comprendre la même question. Évidemment, les réponses qu'on va donner à ces trois versions pourront différer de l'une à l'autre. Mais pour répondre à votre question que j'ai déjà oubliée, c'était quoi ? C'était ? Pour vous, quelle est la part des réseaux sociaux dans ce phénomène ? Les réseaux sociaux, disons le numérique en général, je vais évidemment pas en dire du mal, tellement ils rendent de service. Imaginez ce qu'aurait été le confinement sans qu'on ait accès à nos proches, sans prendre le risque de les contaminer, sans le télétravail, sans le téléenseignement, etc. Mais on a vu, de façon très nette, se manifester des tendances qui étaient déjà apparentes avant, notamment le fait que, en quelques clics, chacun d'entre nous peut fabriquer son chez-soi idéologique, c'est-à-dire sa communauté numérique constituée de personnes qui pensent comme lui, qui croient comme lui et qui s'abreuvent aux mêmes sources que lui. C'est pas très nouveau. Notre cerveau n'a jamais aimé être contredit. Avant le numérique, les gens de droite ne lisaient pas Libération et les gens de gauche ne lisaient pas Le Figaro. Parce que quand on lit le journal, on veut que la lecture qui est proposée des événements soit homomorphe à notre propre lecture. On ne veut pas être choqué. Bon. Sauf qu'avec le numérique, des algorithmes ont très vite fait de repérer vos tropismes intellectuels, vos habitudes de consommateur, vos opinions politiques, et vous abreuvent en vidéo articles qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà. Et ça fait que la vérité, je mets la vérité avec un petit V, hein, a tendance à se balkaniser, à s'instituer en différents silos cognitifs qui ne communiquent plus entre eux. Et ça, c'est quand même une menace pour la démocratie. C'est pas moi qui le dis, c'est Tocqueville. Dans La démocratie en Amérique, bien avant le numérique, Tocqueville dit: le plus grand risque pour la démocratie, c'est non pas les salons mondains constitués d'aristocrates qui se disputent, parce qu'au moins ils se disputent, c'est la constitution de ce qu'il appelait des petites sociétés, c'est-à-dire des clans qui partagent les mêmes valeurs, ne les discutent plus,
sont constamment soumis à des biais de confirmation qui font qu'ils ne pensent plus. Puisque penser, c'est dire non à sa pensée. Penser, c'est critiquer sa pensée pour voir si elle résiste. Une pensée qui n'est jamais confrontée à ce qu'il a contredit, c'est une croyance. Et je m'inquiète de cette tendance qu'on voit de façon très nette aux États-Unis, qu'on voit en France aussi, et ça me semble être, on en reparlera sans doute, une menace politique. Merci beaucoup. Justement, vous parliez des États-Unis. Madame Ruffy, peut-être pour nuancer notre propos, le conspirationnisme est sans doute plus répandu outre-Atlantique aux États-Unis. Pensez-vous qu'un conspirationnisme aussi violent et virulent est amené à être importé en Europe ou peut-être est-il déjà présent sur notre continent ? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Avant d'essayer de répondre à votre question, je voudrais revenir sur cette idée de remise en cause de l'idée même de vérité. Vous avez ouvert le débat avec cette expression. Il me semble qu'il est aussi important de parler, en complément de cette idée de remise en cause de l'idée de vérité, de parler plutôt peut-être de concurrence, de lutte dans l'espace public, de différents régimes de production de faits, de différents régimes d'assertion. Et ça, ces différents régimes de production de faits, ils viennent remettre en question en permanence dans l'espace public la position privilégiée accordée traditionnellement à la science comme pourvoyeuse de faits. Et ça, je pense qu'il n'est pas inutile de rappeler que cette concurrence, cette lutte dans l'espace public, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sans précédent dans l'histoire des sciences. Si on repense à l'avènement de la science moderne au début du XVIIe siècle, au procès de Galilée, pour reprendre un épisode historiquement tout à fait marquant. Alors, c'est un épisode très riche, mais des historiens ont pu souligner que ce qui était en cause dans le procès de Galilée, ce n'était pas tellement de savoir si la Terre tournait autour du Soleil ou l'inverse, mais c'était que Galilée proposait un autre régime de production de faits, un autre régime de production de connaissances, en tension, bien sûr, avec ce qui faisait autorité à l'époque, les textes sacrés ou Aristote. Et si vous regardez l'histoire des sciences, on est en permanence dans ces processus de lutte, de concurrence dans l'espace public. Pensez par exemple à la figure de Lysenko, ce biologiste à l'époque soviétique, qui a imposé de façon complètement dogmatique une autre biologie. Pensons plus près de nous à quelque chose qui a été très bien décrit, les marchands de doute, et là je reprends le titre d'un très beau livre d'historien des sciences, Naomi Oreskes et Eric Conway, qui montre comment certains pouvoirs, certaines idéologies vont instrumentaliser la science pour faire avancer leur programme politique. Et donc le combat est permanent, bien sûr, les protagonistes aujourd'hui et les stratégies sont différentes de ce qui évidemment était le cas dans les époques passées, mais il est vraiment, on continue de faire l'expérience de ces d'idéologies, de mouvements politiques, d'intérêts financiers, commerciaux qui vont invoquer des faits, possiblement des faits alternatifs, et qui vont donc se mettre en concurrence avec la science comme pourvoyeuse de faits. Et là, on arrive à l'incontournable problématique des fake news. Et je pense que là, il y a des études intéressantes en sciences cognitives, des collègues de l'ENS, qui par exemple, Sacha Altaï et Hugo Mercier, je les cite, qui ont fait des études très intéressantes et qui montrent d'abord, donc là, on est dans une démarche empirique pour savoir finalement ces fake news dont on parle tout le temps, quel est leur impact réel sur la façon dont les gens agissent et votent. Et peut-être ne faut-il pas surestimer cette problématique. Et là, c'est la question de la poule et l'œuf. Par exemple, si on pense pourquoi est-ce que quelqu'un vote pour un candidat comme Trump, est-ce que c'est parce qu'ils ont lu et croient au fait que Trump dit ou c'est l'inverse? C'est parce qu'ils adhèrent à un programme politique, ils adhèrent à des valeurs qu'ils vont prendre pour argent comptant les faits avancés par cette personne. Donc c'est vraiment la poule et l'œuf. Il faut penser. Et donc la conséquence de ces quelques remarques, c'est que du coup, il est vraiment crucial pour les acteurs de la recherche, pour les acteurs du monde académique, pour les acteurs des médias traditionnels, on va dire, et pour les décideurs politiques aussi, il est vraiment crucial, du coup, d'être digne de confiance, d'être digne de confiance et de ne pas affirmer des choses en masquant l'incertitude de ce que l'on dit. Je n'ai pas besoin de rappeler l'effet qu'a eu les affirmations du gouvernement sur le port du masque, on n'a pas besoin de masque, etc. Et puis l'effet que ça a eu. Donc voilà, donc il est vraiment ça accroît les responsabilités, en fait, les responsabilités que peuvent avoir les pourvoyeurs traditionnels, si j'ose dire, de faits. Donc je n'ai pas tellement répondu à votre question, parce que ça me paraissait important de rappeler ça, et je n'ai pas de solution aux barrières du complotisme, mais il me semble de rappeler ces responsabilités de nous, acteurs, des pourvoyeurs traditionnels historiques de faits, me semblait important. Alors vous avez évoqué, à juste titre, la crise sanitaire,
pendant cette crise sanitaire, effectivement, la science, ça a avant tout été aussi une crise scientifique d'ampleur internationale. On a vu les fragilités de la science qui était en train de se faire, et on a vu qu'elle pouvait être incapable de résoudre certains problèmes. J'aimerais prendre l'exemple, j'aimerais interroger le rôle justement des scientifiques pendant la crise sanitaire et en quoi est-ce que leur attitude, parfois méprisante ou autoritaire, a pu participer, à votre avis, au désamour qu'on connaît aujourd'hui envers la science ? Madame Ruffy, par exemple. Je continue, d'accord. Alors, je pense que déjà, quand on parle de désamour de la science, là aussi, je pense que c'est à nuancer, à qualifier. Parce qu'on a la chance d'avoir en France ou en Europe un certain nombre d'enquêtes d'opinion qui suivent l'évolution de l'amour ou du désamour des citoyens envers la science et les institutions scientifiques, et qui regardent l'évolution de l'image publique de la science. Alors, bien sûr, il y a quelques variations dans le temps. Il y a des variations aussi assez intéressantes d'un pays à l'autre au sein de l'Europe. Mais en termes de confiance, c'est pas du tout catastrophique, c'est-à-dire que les scientifiques restent très largement sur la marche numéro un du podium. Si vous posez la question à qui faites-vous confiance, eh bien les scientifiques restent très largement sur la marche numéro un, en haut du podium, et ça n'a pas tellement été remis en question par la pandémie. Hein. Là, les études empiriques sont tout à fait convergentes. Donc globalement, la confiance est toujours là, même si elle est plus conditionnelle. Elle est davantage conditionnelle, c'est-à-dire que il y a une sensibilité accrue, à juste titre, des citoyens envers, par exemple, les questions de lien d'intérêt des chercheurs, les questions de lien d'intérêt des experts. Et aussi, ces enquêtes d'opinion montrent aussi, et on peut peut-être s'en réjouir aussi, une ambivalence accrue en ce qui concerne la capacité de la science à être bénéfique à la société. Pour autant, ces évolutions-là ne remettent pas en cause le très haut degré de confiance qui demeure. Et ce très haut degré de confiance, eh bien, il nous oblige. Ça revient au premier point. Et donc, pour répondre à votre question, en temps de pandémie, effectivement, la production scientifique, on peut dire, était caractérisée par un régime de science urgente, c'est-à-dire qu'il fallait produire vite. La décision politique ne pouvait pas attendre que les choses se stabilisent tranquillement comme d'habitude. Donc, il y a eu une accélération sur plusieurs plans de la production scientifique. La production elle-même de résultats, les processus de validation par les pairs qui fondent la légitimité, la confiance qu'on a dans les résultats des sciences, et puis les processus de diffusion auprès des décideurs, auprès du grand public. Et donc les questions vraiment intéressantes à se poser, c'est est-ce que cette accélération caractéristique de cette période de science urgente, est-ce qu'elle a eu un impact négatif sur la fiabilité des résultats ? Et ça, c'est une question en partie empirique, qu'on peut regarder, par exemple, si on regarde, est-ce qu'il y a eu plus d'articles rétractés, d'articles scientifiques rétractés. Alors là, c'est intéressant, parce que des gens commencent à étudier ça de près. Il y a pu avoir un peu plus d'articles rétractés. Pour autant, il y a différentes explications en concurrence, et l'une de ces explications, et là, je parle un petit peu avec ma casquette de directrice de l'Office français d'intégrité scientifique, une des raisons pour lesquelles il peut y avoir plus de rétractations, c'est aussi parce que les articles ont été davantage sur la sellette. Pourquoi ? Parce qu'un article qui parle du Covid, il avait davantage de conséquences sanitaires. Et donc, il était l'objet de davantage d'attention. Il était davantage scruté qu'un article qui parlait d'une maladie qui avait moins d'actualité politique. Et donc, ça, c'est un premier point. Et un deuxième point qui a caractérisé ce régime de science urgente, c'est qu'on a eu un recours accru à ce qu'on appelle les préprints, c'est-à-dire les serveurs où on dépose des articles avant qu'il y ait la vérification par les pairs. Ce qui a aussi caractérisé, on a tous fait l'expérience, cette période de science urgente, c'est qu'il y a eu une multiplication de la prise de parole des chercheurs dans l'espace public, avec parfois le chercheur qui disait A, l'autre chercheur qui disait B, l'autre chercheur qui disait ben non, A, sans doute pas, etc., etc. Et donc là, ce à quoi on a assisté, c'est qu'on a ouvert en quelque sorte les arrières-cuisines de la science en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a ouvert, on a rendu visible tous ces processus de tâtonnement, d'autorégulation, d'autocorrection de la science qui d'habitude restent, qui ne sont pas rendus publics, sur lesquels qu'on ne voit pas. Donc on a vraiment ouvert les arrières-cuisines de la science. Est-ce que ça a un effet positif ou négatif sur la confiance ? Ça me paraît une question empirique ouverte. On est dans une société qui valorise la transparence. Je n'ai pas de réponse à ça, mais ça me paraît une question empirique. On a parlé jusqu'ici de la remise en cause de la science récemment, mais peut-être qu'on peut dire que
la science reste malgré tout le seul moyen d'accéder au réel et que la puissance de la science tient peut-être à sa capacité implacable à expliquer les phénomènes, à expliquer la réalité qui nous entoure. Pour vous, Monsieur Klein, qu'est-ce qui distingue précisément les connaissances scientifiques des croyances comme les autres? Quels sont les critères selon vous? Alors, je vais répondre tout en reprenant répondant à la question précédente aussi, parce qu'il y a un rapport qui est sorti en 2021, en octobre, produit par le Conseil économique et social, qui est un bilan d'étape de la pandémie sur trois sujets, l'économie, la santé psychique des Français et des Européens, et la confiance dans la science. Et ça confirme ce que vient de dire Stéphanie Ruffier, à savoir que le niveau de confiance dans la science, même si la question, comme je l'ai dit, est ambiguë, est très élevé. Avant la pandémie, 90%. Je ne sais pas très bien comment c'est mesuré. Est-ce que ça veut dire que 90% des gens font confiance à la science? Ou est-ce que les gens font confiance à 90% de ce que disent les scientifiques? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un chiffre très élevé. Et ce chiffre a été surveillé dans sa progression temporelle pendant les 18 mois de la pandémie. Et ce qu'on voit, et je vous invite à le regarder, ce rapport qui est sur Internet, c'est que dans tous les pays européens, la confiance reste stable, avec des petites oscillations, mais en gros, ça reste à 90%. Il n'y a qu'un seul pays dans lequel elle s'effondre, c'est la France. On a perdu 22 points. 22 points en 18 mois. C'est énorme. Et donc, évidemment, c'est certainement une explication multifactorielle. Peut-être que les Français sont des gens particuliers. Mais moi, qui ai un peu voyagé en Europe, je peux vous dire que la façon médiatique de traiter ces questions en France a été singulière. On a vu des choses en France qu'on n'aurait pas vues en Allemagne ou en Angleterre. Quand Angela Merkel faisait ses conférences de presse, j'étais en Allemagne, elle disait « Les scientifiques nous disent que ». Voilà ce qu'ils savent et voilà les questions qu'ils se posent. Elle ne donnait pas de nom. Elle ne disait pas « Le professeur machin dit que, le professeur bidule dit que ». En France, on a personnalisé les questions. On a mis en scène des gens dont on ne savait pas très bien d'où ils venaient, qui disaient « je pense que ». Mais on s'en fiche de ce que pense un scientifique. Et ça répond à votre question. La science, ce n'est pas du tout la même chose que la recherche. Même si, évidemment, elles ne sont pas étrangères l'une à l'autre. Mais la science, c'est un corpus de connaissances qui constitue les bonnes réponses à des questions bien posées. Vous pouvez les contester, ces réponses. Mais pour le faire, vous avez besoin d'arguments scientifiques. Vous ne pouvez pas les contester avec votre ressenti en disant ben « Einstein, je ne le sens pas », etc. Non, ça ne marche pas. D'accord ? Mais ce corpus de connaissances qui constitue la science, il pose des questions dont nous savons que nous n'en connaissons pas les réponses. Autrement dit, on fait de la recherche parce qu'on doute. C'est un doute très particulier. C'est un doute qui consiste à dire « nous savons que nous ne savons pas ». Est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule? On n'en sait rien. Est-ce qu'il existe une vie extraterrestre? On n'en sait rien. Donc, on fait des recherches. Ça peut durer très longtemps. Et le doute est donc le moteur de la recherche. Mais ce qu'on a vu en France, c'est que comme on a confondu la science et la recherche, l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche est venue coloniser l'idée même de science. Et on a dit, la science, c'est le doute. Ah bon ? Vous qui êtes ingénieur centralien, bientôt, vous arrivez le matin en amphi et vous doutez de l'existence de l'atome ? Je ne connais pas un physicien qui doute de l'existence de l'atome. Je ne connais pas un physicien qui doute du fait que la Terre est ronde plutôt que plate. Je ne connais pas un biologiste qui doute à propos de l'évolution des espèces. Donc il y a des choses qui sont à peu près certaines, c'est pas du vrai absolu. On n'est pas à l'abri d'une révolution. Mais il y a quand même des tas de domaines en science où les révolutions sont très anciennes. Je prends l'exemple de la physique, on n'a pas fait de révolution depuis les années 20. 1915, théorie de la relativité générale, années 20, mécanique quantique, on est toujours là-dessus. Et on a fait des milliards de découvertes sans qu'aucune, qui pourtant est une menace pour la théorie, vienne les contredire. Et donc, je pense que la science ne dit pas la vérité, elle ne décrit pas le réel. Mais vous ne pouvez expliquer l'efficacité opératoire de théories comme la physique quantique et la relativité générale, qui sont contradictoires entre elles,
qu'en imaginant qu'elles ont à voir avec quelque chose qui a à voir avec la réalité. Sinon, leur efficacité opératoire relèverait à chaque fois du miracle. Vous trouvez un trou noir, vous le voyez, il obéit aux équations de la relativité générale. C'est un coup de chance ? Ou est-ce que c'est la preuve que la relativité générale est la bonne façon de décrire la gravitation ? Vous trouvez une onde gravitationnelle qui traverse la Terre un siècle après la prédiction par Einstein. Vous aviez calculé à l'avance le spectre temporel. Dans le cas où elle est produite par la fusion de deux trous noirs, vous mesurez le spectre, regardez sur Internet, c'est la même courbe. C'est un coup de chance ? C'est un miracle ? Ou bien est-ce que les équations d'Einstein sont les bonnes équations pour décrire les phénomènes gravitationnels ? Et donc, pour finir, quand un scientifique entend une crise, parle à la télévision, il ne devrait jamais dire « je ». Il devrait dire « nous savons que ». Ça, c'est la science. Et nous nous demandons si. Ça, c'est la recherche. D'accord ? Et vous voyez bien qu'on n'a pas du tout suivi cette règle. En Angleterre, c'est la Royal Society qui communiquait sur la pandémie, c'est pas M. Bidule. Et nous, on a mis en scène des personnages, des individus, que je ne vais pas citer, mais qui ont utilisé tous les biais cognitifs, et des hommes politiques de très haut rang ont écrit des tweets en mars 2020, au début, en disant « Je ne suis pas médecin, mais je... » Je ne suis pas médecin, mais je... Autrement dit, j'y connais rien, ce qui est un aveu honnête, mais je vais vous dire ce qu'il faut penser de tels médicaments dont le professeur Bidule fait la promotion. Mais de quel droit ? Comment c'est possible ? Comment c'est possible que le fait d'être incompétent donne autant d'arrogance ? Ben, c'est l'illustration d'un biais cognitif bien connu qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux psychologues qui l'ont mis en évidence, qui consiste en gros à dire, pour se rendre compte qu'on est incompétent, il n'y a qu'une solution, devenir compétent. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je ne lis plus de tweets d'hommes politiques qui disent « je ne suis pas médecin, mais je... » Tout le monde a compris que cette affaire est compliquée et qu'il n'y avait pas de recette comme ça qu'on pouvait invoquer en faisant simplement référence à son bon sens. Et donc, pour répondre à la question précédente, je pense qu'en France, il s'est passé un truc particulier qui n'a pas eu lieu dans les pays comme l'Italie, le Portugal, la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne, où la confiance est restée absolument la même. Parce que c'était toujours la science en tant que collectivité. Karl Popper disait, la science, c'est la collaboration, la coopération amicalement hostile des citoyens de la communauté du savoir. Donc ce qu'un scientifique met sur Twitter n'a aucune valeur si ça n'a pas été préalablement présenté à d'autres scientifiques qui se posent les mêmes questions et travaillent sur des sujets voisins. Sinon, vous mettez une tranche de chorizo sur Twitter en disant que c'est une étoile et les gens vous croient. Incroyable. Alors, merci pour votre réponse. Monsieur Bellamy, vous vouliez réagir, je vais vous laisser réagir. Mais vous avez évoqué dans votre réponse le fait qu'on ne pouvait pas douter de la gravitation, de la relativité générale. Parce que voilà, elle présentait des preuves, la science en tant que collectif. Non, j'ai pas dit ça. Vous pouvez en douter parce qu'il y a le problème de la matière noire, de l'énergie noire. Peut-être c'est pas la bonne théorie, mais vous ne pouvez pas en douter par principe sans faire l'effort de tenter de la connaître. C'est ça que je dis. Voilà, non. Sans faire l'effort. Mais vous pouvez pas en douter simplement en mettant en avant votre ressenti, vos préjugés. Non pas du tout que les scientifiques soient à l'abri des préjugés. Un scientifique, c'est pas quelqu'un qui est sorti de la condition humaine. Donc un scientifique, c'est quelqu'un qui se trompe, qui n'est pas objectif, qui peut être soumis à des influences politiques, culturelles, philosophiques, qui peut délirer. Autrement dit, l'objectivité de la science ne doit quasiment rien à l'objectivité des scientifiques. L'objectivité de la science vient d'une construction qui permet cette objectivation à l'issue de procédures qui sont celles de la science. On discute, on s'engueule. Le boson de Higgs, par exemple, je peux vous dire qu'entre la prédiction théorique en 1964 et la détection expérimentale en 2012, ben les colloques, c'était des engueulades. C'était des engueulades. Et puis un jour, on trouve un signal qui correspond exactement au boson de Higgs. Même spin, même charge, même mode de désintégration.
Et là, terminé. Plus d'engueulade. D'accord ? C'est ça le passage qui fait passer de la recherche à la science. Pendant 48 ans, le boson de Higgs a été un sujet de recherche. Maintenant, c'est un sujet de science. Et moi, c'était par rapport au fait que, justement, la gravitation, maintenant, elle est expliquée par la relativité générale, mais avant, dans l'histoire des sciences, si on revient 2 siècles en avant, ça allait être expliqué par la mécanique newtonienne. Et donc, justement, la science, elle a une histoire. Il y a des révolutions scientifiques qui se sont enchaînées et qui vont être amenées à s'être enchaînées. Et donc, Monsieur Bellamy, je vous pose la question, comment est-ce qu'on peut concevoir l'idée d'une vérité stable en science avec ces connaissances qui peuvent être amenées à évoluer dans le futur ? Là, on est vraiment au cœur de ce malentendu potentiel de la société contemporaine à l'égard de la science. Et si je reprends la question que vous posiez juste avant, je me permettrai d'être en désaccord avec les termes de votre expression. Vous présentiez la science comme le seul moyen d'accès au réel, si j'ai bien entendu. D'abord, ce serait hautement questionnable, parce qu'il y a beaucoup d'autres moyens d'accès au réel que la science, la littérature, la poésie, l'art, l'imagination, qui ne sont pas du registre de la science, mais qui sont des modalités d'accès au réel. Et surtout, l'idée, finalement, que la science, précisément, se distingue des autres régimes de discours par son haut degré de certitude, voire par son degré infaillible de certitude. Le petit avantage du professeur de secondaire, c'est que quand vous croisez souvent des élèves de terminale, ils vous donnent une idée généralement assez fidèle de l'opinion commune, et précisément ce taux élevé de confiance en la science se vérifie dans le fait que lorsqu'on pose, je pense qu'on pourrait faire un sondage parmi les Français et on aurait à peu près une réponse de cette nature, lorsqu'on pose aux gens la question de savoir quelle est la différence, c'était votre question, entre la science et la croyance, ils vous répondront que la science est certaine alors que la croyance est incertaine. Ce qui est absolument, à mon avis, inexact. Parce que d'abord, les croyances peuvent s'avérer vraies. Ce soir, je suis venu en me disant « je crois que je vais passer une très bonne soirée ». Je ne pouvais pas le démontrer d'une manière scientifique. Et pourtant, j'avais raison jusque-là. Et je suis sûr que tout ceci se vérifiera dans la suite de nos échanges. Et au contraire, exactement à l'inverse, si vous regardez l'histoire des sciences, vous dites que la science a une histoire, eh bien, nous verrons que l'histoire de la science est une succession d'erreurs corrigées, une succession d'erreurs qui ont été effectivement révoquées par les travaux successifs de la communauté scientifique. Mais vous connaissez tous évidemment cette distinction fondamentale, c'est le grand critère dont Popper parle pour distinguer précisément la science de ce qui n'est pas de la science. Et c'est un critère absolument antipositiviste, pourrait-on dire. Peut-être la France, d'ailleurs, a-t-elle un rapport singulier avec la science, précisément parce que la science est aussi le pays du positivisme, d'une certaine manière. Et donc, le fait de rentrer dans les arrières-cuisines de la science, comme vous l'évoquiez, peut-être a été pour nous plus inquiétant, parce que nous avons vu, et les médias, évidemment, ont contribué à ce spectacle, la réalité de la recherche en train de se faire. Et comme on le disait, ce sont des individus avec des personnalités, des tempéraments, avec des biais, des caractères, avec des intérêts, avec des options. Et tout ceci se confronte. Et ce qui fait la qualité de la science à la fin, ça n'est pas l'individualité des chercheurs, mais cette coopération qui permet d'arriver à ce critère de démarcation. La différence entre la science et la croyance n'est pas dans le fait que la science dit la vérité et que la croyance se trompe, ou que la science est certaine alors que la croyance est incertaine. La vraie ligne de démarcation, nous dit Popper, c'est que si un énoncé scientifique, un énoncé produit dans le champ de la science, avec son registre de discours, est faux, alors cette erreur sera un jour établi. Et c'est là tout l'enjeu de cette coopération à la fois amicale et inamicale entre scientifiques. Pour le dire autrement, si vous croisez là sur cette scène tout de suite maintenant deux personnages, mettons Raël par exemple, j'ai vu aujourd'hui un article de journal sur le fait que la secte des Raéliens existe encore, ben vous croisez Raël et Ptolémée. Raël n'est pas un scientifique, Ptolémée est un scientifique. Raël vous dit que les extraterrestres existent et qu'ils communiquent avec eux. Et que si vous voulez communiquer avec eux, d'ailleurs, il faut lui donner votre carte bleue. Et Ptolémée vous dit que la Terre est le centre du système des planètes. Ptolémée est un scientifique, et Raël n'est pas un scientifique. Nous savons que ce que dit Ptolémée était inexact, et que ce que disait Ptolémée a été révoqué, et nous savons que nous ne pouvons pas réfuter ce que dit Raël. C'est-à-dire, le propre de l'affirmation raélienne, c'est que vous pouvez la prendre par tous les bouts, il est impossible de produire une expérience qui réfuterait son assertion.
Donc d'une certaine manière, la croyance, c'est ce dont on ne peut jamais démontrer que c'est faux. Si on devait considérer que la science est du côté de la certitude, on aurait tout faux d'une certaine façon, puisqu'on se méprendrait sur la dimension de recherche qu'Étienne Klein évoquait à l'instant, et qui part précisément du fait que nous savons que la vérité est ce qu'il y a encore à découvrir, et qu'il faut continuer de chercher. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a acquis, et le fait que Copernic et Galilée sont plus exacts que Ptolémée, ça c'est acquis. Mais pourtant, Galilée ne disait pas non plus le dernier mot de l'histoire de la science. Et d'ailleurs, le procès de Galilée auquel vous faisiez référence est un moment très important et très intéressant dans l'histoire de l'épistémologie. Pierre Duhem est revenu sur ce procès dans un texte qui s'appelle « Sauver les phénomènes », dans lequel, avec un peu évidemment le sens du paradoxe, il donne tort à Galilée contre ses accusateurs. Parce que le débat entre Galilée et l'Église, en l'occurrence, mais le débat entre Galilée et l'épistémologie qu'il affrontait, c'est aussi un débat sur la mission propre de la science. Là où il s'agissait, pour Copernic, que d'ailleurs l'Église avait complètement adopté et dont elle avait fait la matrice de la réforme du calendrier grégorien, le sujet pour l'Église n'était pas d'affirmer que la Terre était en mouvement autour du Soleil. Copernic avait été parfaitement digéré par les autorités de l'Église, mais Galilée posait problème d'une certaine manière parce qu'il confrontait à l'épistémologie qui voulait sauver les phénomènes, c'est-à-dire rendre raison des apparences. Galilée opposait une épistémologie beaucoup plus réaliste qui avait l'ambition précisément de dire la vérité de manière ultime. Et là, il y avait, évidemment, Pierre Duhem ne rend pas raison dans le débat, ne justifie pas la condamnation de Galilée, qui était évidemment un phénomène extra-scientifique totalement aberrant, mais il montre que la réalité du débat épistémologique se trouvait ailleurs, d'une certaine façon, que dans le simple enjeu autour de l'astronomie. Et tout ça pour dire que la question qui est posée aujourd'hui à notre époque, c'est aussi qu'est-ce que nous attendons de la science ? Peut-être, d'une certaine manière, la crise du Covid a montré aussi que nous attendions trop de la science, ou plus exactement trop des scientifiques. C'est le fameux effet blouse blanche qui joue tellement dans l'expérience de Milgram, et dont, précisément, il faut peut-être apprendre aussi à mettre à distance la dimension de certitude apparente qu'elle pourrait à elle seule insuffler. Peut-être qu'on apprendra à aimer vraiment la science pour ce qu'elle est, si on apprend à en attendre ce que l'on peut en recevoir, c'est-à-dire précisément cet effort permanent pour ajuster nos connaissances à la réalité du réel, pourrait-on dire, plutôt que le lieu où se délivreraient des certitudes définitives susceptibles de se substituer à la totalité des croyances. Dans cette même perspective, Madame Ruffy, dans vos travaux, vous parlez d'un pluralisme feuilleté. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce concept et en quoi il dépasse l'alternative unité, pluralité de la science? Oui, juste en complément à ce qui a été dit, c'est vrai que une spécificité de la science, c'est justement ce rapport vertueux à l'incertitude. Hein, c'est précisément parce que les énoncés de la science sont faillibles, hein, c'est bien connu, qu'ils ne sont pas dogmatiques, qu'ils sont révisables et qu'ils sont donc dignes de confiance. Pour autant, en matière de faillibilité, hein, tous les énoncés scientifiques ne sont quand même pas logés à la même enseigne. Hein. Quand je dis que si je pense savoir que l'eau boue à 100 degrés, bon, je ne prends pas trop de risques, je pense que ça ne va pas trop changer. Bon, mais par contre, si on avance une hypothèse explicative sur l'émergence d'un virus, là, pour les raisons qu'on a évoquées de science urgente, on est un statut beaucoup moins assuré. Mais je voudrais juste insister quand même, on peut tout à fait prendre acte de ce faillibilisme, et ce n'est pas du tout en tension avec la prétention de la science à la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une approche comparative. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux comme base de nos actions ? Alors, il y a la boule de cristal, il y a ce que disent les voisins, il y a je ne sais pas quoi, les textes sacrés, Aristote, etc. Mais là, il y a un avantage, il est facile d'argumenter envers un avantage comparatiste très net des sciences sans avoir à survendre le caractère pour montrer qu'un «
Pour en revenir à ce concept de pluralisme feuilleté, en fait, c'est une façon d'essayer de spécifier cette idée un peu générale que la science produit des vérités. C'est surtout une façon de réintroduire de l'historicité de la production de connaissances en sciences. Parce qu'il y a un historien des sciences qui s'appelle Alistair Crombie, un grand historien des sciences, et puis un philosophe des sciences qui s'appelle Ian Hacking, qui ont travaillé sur l'émergence au cours de l'histoire de la pensée dans les sociétés occidentales, l'émergence d'un certain nombre de styles de raisonnement en sciences. Un style de raisonnement en sciences, c'est quoi ? C'est une façon nouvelle, inédite, de produire des connaissances fiables sur le monde, de produire des vérités, si on revient sur le vocabulaire du thème d'aujourd'hui. Et ces travaux ont pu identifier 5 ou 6 styles de pensée, de raisonnement scientifique. Alors, je vais juste donner un exemple. Le premier historiquement qui a émergé, sans surprise, c'est le style de postulat en mathématiques. Donc on fait des postulats en mathématiques. Et puis après, on a commencé beaucoup plus tard pour avoir des connaissances sur le monde, se dire, eh ben, tiens, on va poser la question à la nature. Donc c'est l'émergence de la science moderne, de la science expérimentale. Donc c'est l'émergence de ce qu'on peut appeler l'argumentation expérimentale, ou plus tard le style de laboratoire. A émergé aussi à un certain moment, plus récemment, quelque chose qu'on utilise tous les jours, dans tous les domaines, pour produire des connaissances sur le monde, c'est le style statistique, le style probabiliste. Mais ça c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'histoire de la pensée. Alors, tout ça pour dire qu'il existe un certain, pas une infinité, mais qu'il existe un certain nombre de façons de procéder pour produire des connaissances qui sont identifiées au cours de l'histoire, et qui en fait, et ce qui est important, c'est de voir qu'avec l'émergence d'un style de raisonnement scientifique, par exemple le style statistique, Dieu sait s'il est ubiquitaire aujourd'hui, eh bien émergent aussi des nouveaux types de propositions qui sont susceptibles d'avoir une valeur de vérité. C'est-à-dire qu'avant qu'émerge le style statistique, il y a beaucoup de propositions sur le monde dont on ne pouvait pas, auxquelles on ne pouvait pas attribuer de valeur de vérité. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de façon de raisonner pour attribuer une valeur de vérité. Alors derrière ça, il y a des conceptions particulières de la signification, etc. Donc je serais heureuse d'en dire plus pendant les questions éventuellement. Mais j'en reviens à votre question. Donc cette idée de pluralisme feuilleté, c'est une façon de mettre l'accent non pas sur le fait que les connaissances invalident des sur le caractère cumulatif de ce que produit les sciences. C'est-à-dire que ça, avec Thomas Kuhn, le succès de Thomas Kuhn et la révolution scientifique fait qu'on accentue beaucoup les ruptures, les révolutions, Einstein renverse Newton, etc. etc. Mais à côté de cela, c'est un prisme tout à fait pertinent, il y a une accumulation lente, de connaissances, cette façon de raisonner à propos du monde. Et donc cette idée de pluralisme feuilleté, ça essaye d'évoquer, donc évidemment je pensais aux millefeuilles, ça essaye de capturer philosophiquement le fait que pour produire des connaissances sur un objet, une galaxie, un feu de forêt ou autre chose, en fait on va invoquer de façon simultanée un certain nombre de modes de raisonnement pour produire des connaissances avec leurs propres standards de validité, leurs propres critères de vérité, etc., et qui permet d'élargir très significativement le type de proposition que l'on peut formuler à propos d'un objet, d'un phénomène, et auquel on peut attribuer une valeur de vérité, et que l'on peut du coup revendiquer comme scientifique. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué le concept, mais je serais heureuse d'en dire plus pendant les questions. Merci pour cet éclairage. On a vu donc que les vérités scientifiques étaient prises en étau entre scientisme d'un côté et conspirationnisme de l'autre. Peut-être finalement la question est plus comment la science dit-elle la vérité, ou du moins comment doit-elle la dire en démocratie plutôt que la science dit-elle la vérité. Monsieur Bellamy, vous êtes député européen. Comment les experts apportent-ils leur éclairage aux politiques, et selon vous, est-ce que les politiques sont toujours réceptifs au discours des experts ? Peut-être pour revenir sur ce que décrivait Étienne Klein tout à l'heure, c'est vrai que c'était très frappant pendant la crise du coronavirus de voir à quel point, mais pour tout vous dire, c'était difficile de résister aussi à la question médiatique sur qu'est-ce que vous pensez de la chloroquine, par exemple. Quand vous êtes sur un plateau de télévision ou de radio et qu'on vous pose la question qu'est-ce que vous pensez de la chloroquine, moi j'avais trouvé une formule qui m'a protégé pendant la totalité de l'épidémie, qui consistait à dire le mieux c'est que les scientifiques fassent de la bonne science et que les politiques fassent de la bonne politique, et moi je ne sais absolument pas quoi penser de tel ou tel médicament, de tel ou tel thérapeutique, parce que de fait je ne suis pas du tout assez compétent pour pouvoir en parler. Mais c'est vrai que la pression est forte dans ces moments-là de politiser la science.
Et ça, c'est un risque majeur. Et je pense que ça explique peut-être la spécificité que vous décriviez tout à l'heure. Le risque est grand aussi, d'ailleurs, en un sens, de techniciser la politique. Alors, c'est vrai que, de ce point de vue-là, on a un lien entre politique et science qui est certainement très différent en France et dans d'autres pays européens. Je le vois au Parlement européen, par exemple, où, finalement, le travail politique est un travail plus technique qu'en France. On a la chance, d'ailleurs, au Parlement européen, d'avoir un service de recherche avec 300 chercheurs qui ont leur propre... leur propre mode d'action, mode de travail dédié. En France, ça n'existe pas du tout. Si vous avez besoin d'une information sur un sujet, vous devez la demander généralement au gouvernement, vous devez la demander au pouvoir exécutif qui a accès à la donnée. Vous parliez de l'importance de la statistique, par exemple, dans la décision publique aujourd'hui est énorme. La statistique, c'est historiquement ce qui est au pouvoir des États. En tous les cas, la statistique a accompagné le déploiement de l'État moderne. En France, la statistique, elle est délivrée par l'État et par l'exécutif. Le Parlement européen, lui, avec une culture qui est marquée par la culture parlementaire allemande, notamment, est beaucoup plus construit sur l'idée que le Parlement doit contrôler l'exécutif et donc, dans son contrôle de l'exécutif, doit pouvoir être indépendant et doit pouvoir avoir accès à la connaissance sans passer par l'exécutif. Et donc, on a la chance de pouvoir compter sur un service de recherche. Je recevais il y a quelques jours au Parlement européen les chercheurs du CEA, qui venaient de pas très loin d'ici, et donc on a eu l'occasion d'échanger notamment sur la manière dont fonctionne ce travail de recherche. Le risque serait de croire que la technique ou la science peuvent nous délivrer de la politique. Ce serait aussi un danger. Je veux dire par là que le positivisme, d'ailleurs, celui d'Auguste Comte, le positivisme originaire, a cru pouvoir accomplir la totalité de l'histoire humaine en quittant de manière définitive les stades primaires de cette évolution, l'enfance de l'humanité avec la religion, son adolescence avec la philosophie, et puis on entrait dans l'âge adulte avec la science, et désormais c'était d'une certaine manière la fin des clivages. Vous voyez, on allait pouvoir réconcilier en même temps la droite et la gauche, en même temps l'ordre et le progrès, c'était la maxime d'Auguste Comte, et les débats interminables, confus, incompréhensibles de la politique telle qu'elle s'était pratiquée dans l'histoire serait désormais remplacée par l'expertise des savants qui nous diraient quelles étaient les solutions pour accomplir à la fois l'ordre et le progrès de l'humanité. Je crois que c'est un grand danger de penser qu'on peut se passer de la politique, c'est-à-dire qu'on peut se passer de la discussion. La science peut nous éclairer, elle nous éclaire par les vérités qu'elle découvre, elle nous éclaire sur les faits, mais les faits ne contiennent pas par eux-mêmes une solution au problème auquel nous sommes confrontés. Dans votre introduction, tout à l'heure, vous évoquiez, vous disiez la science est impuissante parce que nous sommes face à une guerre et la science ne donne pas de réponse. Eh bien oui, la science peut nous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître les phénomènes humains et les réalités physiques qui les sous-tendent parfois, mais la science ne nous dit pas comment on échappe à la guerre. Ça, c'est la politique qui doit, d'une certaine manière, organiser la conversation pour que notre liberté, qui reste irrévocablement liée au vertige de notre responsabilité, soit engagée dans une réponse. Nous ne serons jamais délivrés de notre responsabilité. Et nous aurons toujours, quels que soient les faits que la science peut nous dévoiler, nous aurons toujours à nous prononcer sur la meilleure manière d'affronter les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La science, prenons un sujet d'actualité, la science nous décrit la réalité du réchauffement climatique. C'est un fait. Celui qui nierait les faits prend une immense et se rend coupable d'une certaine manière d'un déni de réalité qui, évidemment, nous conduirait dans l'impasse. Mais une fois qu'on a accepté de regarder la réalité en face et d'écouter la science et d'écouter les experts, eh bien, reste à délibérer sur la manière d'organiser notre réponse collective au réchauffement climatique. Et ça, la science ne contient pas, a priori, les réponses évidentes qui s'imposeraient pour nous permettre de nous organiser face aux défis que nous rencontrons tous ensemble dans l'histoire. Monsieur Claude, vous souhaitez réagir Oui, parce que moi je suis d'accord pour dire que la science produit de l'incertitude. Je parle de la science et pas de la recherche. C'est-à-dire que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des choses qu'elle permet de faire. Ça, c'est de la politique. Mais c'est de la politique qui ne peut pas ignorer dans ses décisions la valeur de vérité de la science. Autrement dit, l'incertitude dont on parle, on ne sait pas, la science ne nous dit pas ce qu'on doit
ce qu'on doit faire, de ce qu'elle permet de faire, cette incertitude ne doit pas contaminer la valeur des résultats scientifiques, ce qu'elle a tendance à faire. Et moi, je suis là pour plutôt témoigner du fait que, alors que très souvent, on présente la science comme étant constamment soumise à des révolutions, à des remaniements, il faut au contraire interroger sa stabilité. Il y a des découvertes, notamment au XXe siècle, qui n'ont jamais été remises en cause, alors que le nombre de scientifiques et de chercheurs sur Terre est plus grand que jamais dans l'histoire. Le nombre de tests, les progrès expérimentaux sont tels que, normalement, si Popper avait raison, le nombre de fois où une théorie aurait dû être contestée par des nouveaux résultats, et en fait, ça tient. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est cette sorte de stabilité. Pour ne rien vous cacher, il y a quelques années, il y a eu un débat à la Sorbonne, retransmis sur France Culture, qui posait la même question que ce soir. Sauf que c'était « la science dit-elle le vrai ?» Et moi, j'ai défendu cette position, à savoir qu'il y a une stabilité qui fait qu'on ne voit pas très bien comment, dans le futur, des nouveaux résultats pourraient remettre en cause l'existence de l'atome, ou bien la rotondité de la Terre, ou bien l'évolution des espèces. C'est acquis, ça. Et une personne qui était invitée a dit « mais non, on n'est pas à l'abri, a-t-elle dit, d'un nouvel Einstein qui démontrera que la Terre est plate. » Comme si c'était une affaire d'intelligence. On n'a pas l'esprit assez intelligent, il nous manque un nouvel Einstein qui nous fera voir qu'elle est plate. Moi, je comprends qu'on puisse défendre un tel scepticisme aussi radical. Je comprends. Le problème, c'est que cette personne était professeure à l'université. Et la question que je pose, c'est quand on est croyant d'un tel scepticisme, qu'a-t-on à enseigner ? Qu'a-t-on à enseigner ? Qu'est-ce qu'on peut enseigner en cours ? Et je ne suis pas d'accord avec vous à propos du fait qu'on ne pourrait pas montrer qu'une croyance est fausse. Il y a toutes sortes de gens qui ont cru qu'un certain médicament contre le Covid est efficace. Nous savons que c'est faux. Et non seulement ça n'était pas efficace, mais c'était dangereux. Nous le savons, cette croyance était fausse. Voilà. Et donc, je maintiens que, même s'il peut y avoir des controverses, ce qui fait que la science est la science, c'est qu'à la fin, on sait. On sait que c'était faux. D'accord ? Et vous parliez de la pression médiatique. Moi, je me souviens très bien quand on, au début, les experts interrogés disaient « Nous ne savons pas », en réponse à des questions qui leur étaient posées. Nous savons que nous ne savons pas. Nous, et donc personne. Personne ne sait répondre à la question que vous posez. Et c'est pourquoi nous menons telle et telle recherche. Eh bien, ces experts, au bout de quelques semaines, ont été médiatiquement détrônés par d'autres personnes qui répondaient à toutes les questions et qui n'étaient pas d'accord entre elles, évidemment, ce qui crée des controverses artificielles, parce qu'en fait, il suffisait d'attendre. Mais on n'avait pas la patience d'attendre. Et donc, on accordait du crédit aux gens qui avaient réponse à toutes les questions. Or, un expert, c'est justement un spécialiste de l'ignorance. C'est quelqu'un qui sait qu'on ne sait pas. Et pour savoir qu'on ne sait pas, il faut déjà savoir tout ce qu'on sait. Et on a donné une prime à l'arrogance qui, à mon avis, a fait que la situation en France a été différente de ce qu'elle a été dans les pays européens que j'ai cités tout à l'heure. Pour continuer d'interroger les liens entre science et démocratie, on va parler de comment est orientée et financée la recherche publique. À ce sujet, Madame Ruffy, vous avez publié une tribune dans le journal Le Monde où vous plaidez en faveur d'une convention citoyenne de la recherche sur le modèle de la convention citoyenne sur le climat. J'aimerais alors vous poser la question suivante. En quoi consiste cette convention citoyenne de la recherche ? Qu'est-ce que vous pensez justement de la loi pluriannuelle de programmation de la recherche qui a été votée sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron ? Qui doit choisir les vérités scientifiques à atteindre et les grandes orientations de la recherche ? Alors là, qui doit choisir les... Il y a deux questions vraiment différentes. La question de la pertinence de la LPR, qui a plein de dimensions, plein d'aspects, et puis la question plus générale, largement théorique aujourd'hui, qui est très simple, c'est-à-dire qui doit décider, dans une démocratie, des grandes priorités de la recherche.
Alors, une mise en garde qui fait écho à la façon dont vous avez juxtaposé de questions. La question porte exclusivement sur le choix des grandes questions à traiter, des grands problèmes à résoudre de façon prioritaire, et pas du tout sur les méthodes ou sur les, encore moins sur les résultats de l'enquête scientifique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question de faire un sondage pour savoir si c'est Newton ou Einstein qui a raison. Donc là, ce n'est pas du tout de ça dont on parle. On parle d'une question qui est politique, c'est-à-dire, encore une fois, qui doit décider des grandes priorités de la recherche. Alors, de quel type... parce que des décisions politiques sont prises et à différents niveaux, que ce soit au niveau européen, au niveau national ou au niveau aussi d'un site comme ici Paris-Saclay. Par exemple, des décisions politiques ont été prises d'investir massivement, il y a quelques années, dans le séquençage du génome humain. Et donc de privilégier des approches... Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, hein, c'est pas la question. Et donc de privilégier des approches plutôt réductionnistes en biologie, et comme les ressources sont limitées, il y a des effets de vase communicant. Quand vous prenez une décision politique de cette sorte, c'est que vous financez moins d'autres secteurs de production des connaissances. Plus près de nous, en France, le président Macron a annoncé un soutien très fort à l'ingénierie quantique. Il y a des choix politiques très forts aussi qui sont faits en matière d'intelligence artificielle. Au niveau européen, les flagships, c'est 1 milliard qui, par exemple, sont attribués à un projet comme le Human Brain Project, etc. Donc il y a des choix politiques qui sont faits. Et on a envie de savoir qui les fait au juste. Donc là, on ne va pas rentrer dans cette question, mais surtout, moi, en tant que citoyen, après tout, ce qui se passe dans un laboratoire aujourd'hui, et ça, c'est propre à nos sociétés de la connaissance, ce qui se passe dans un laboratoire aujourd'hui, ça impacte ma vie. Ce n'était pas le cas à l'époque de Newton et Darwin. Ce qu'a fait Newton et Darwin, c'est évidemment tout à fait essentiel dans l'histoire des sciences, mais ça a beaucoup moins impacté, ça n'a pas tellement impacté la vie des contemporains de Newton et Darwin. Aujourd'hui, les décisions qui sont prises, que j'ai évoquées, elles impactent, on l'a vu évidemment très, très concrètement pendant la pandémie, elles impactent nos vies quotidiennes. Et donc, alors, très naïvement, on peut dire, OK, on est dans une démocratie, il y a des décisions qui sont prises qui impactent notre vie, en plus, c'est en partie de l'argent public, pourquoi j'ai pas mon mot à dire ? C'est bien, si on y réfléchit, c'est quand même sans doute le seul secteur des politiques publiques qui est sous le radar, qui n'est pas présenté comme une question politique, mais qui est sous le radar du débat démocratique. C'est une exception qui peut se justifier de différentes façons, on pourrait y revenir, mais qui est de plus en plus interrogée aujourd'hui, pour les raisons que je viens de dire. Alors, une fois que vous m'accordez ce principe général de refuser ce caractère d'exception de ce type de politique publique, comment on fait parce qu'on ne va pas faire un sondage pour demander aux gens est-ce qu'il faut financer l'intelligence artificielle comme ci ou comme ça, etc. Et donc là, on est typiquement dans un cas où il faut tenir ensemble deux exigences qui sont, à première vue, en tension. Donc l'exigence démocratique, que je viens de rappeler, et puis l'exigence épistémique, qui est de dire quand on doit se prononcer sur quelque chose, il vaut mieux savoir de quoi il retourne. Et là, on sent que pour ces questions de politique publique, de politique de la recherche, le droit d'entrée dans le débat est plus élevé que pour d'autres politiques publiques, comme, je sais pas, l'immigration ou la fiscalité. D'un autre côté, on est souvent appelé à se prononcer par vote ou par référendum sur des questions qui ont aussi un droit épistémique élevé. Par exemple, quand on doit se prononcer sur, bon, il y a quelques années, ça ne me rajeunit pas, mais sur l'adoption d'une nouvelle constitution européenne, le droit d'entrée est quand même élevé. Pour comprendre les tenants et les aboutissants, il faut quand même un peu bosser. Donc il y a une spécificité qu'il ne faut pas trop accentuer non plus de ces questions-là. Et donc comment on fait ? Eh bien, j'ai pas de solution, mais l'exemple, enfin, j'ai pas de solution. En tout cas, on peut partir du principe que ce qui a été proposé par la conférence sur le climat, enfin le type de processus de délibération qui a été mis en place, peut être adapté à ces questions de gouvernance de la recherche, où là aussi il y a un droit d'entrée élevé. Et donc l'idée, c'est de prendre au sérieux la notion de délibération, parce que qu'est-ce que ça veut dire délibérer ? Ça veut dire d'être capable de réviser son jugement, de réviser ses préférences, à la lumière de ce que va dire un expert, là en l'occurrence un expert scientifique, et à la lumière aussi des préférences des autres parties impliquées dans une délibération. Et donc la délibération, ce n'est pas la juxtaposition de préférences, c'est cette capacité de réviser ses préférences à la lumière, encore une fois, de connaissances et des préférences des autres. Et on peut donc défendre, au moins en principe, l'idée qu'il n'y a pas de raison que les grandes priorités de la recherche ne puissent pas non plus faire l'objet de délibérations de ce type. Et justement, au cours des débats sur la loi de programmation de la recherche, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal,
s'est penchée sur la question des libertés académiques et elle a déclaré, je la cite, vouloir enquêter sur un islamo-gauchisme qui gangrène la société dans son ensemble et l'université. Monsieur Bellamy, est-ce que vous pensez qu'en France et à l'université, la science peut parfois déguiser des pratiques militantes, à défaut de dire la vérité, et notamment dans le domaine des sciences sociales? Mais d'abord, la première chose, c'est que tout ce qu'on vient de dire jusque-là et les réflexions qu'on vient de partager nous permettent de rompre avec l'idée inexacte que la science serait une sorte de monde séparé du réel. La science est faite par des scientifiques, et les scientifiques, les chercheurs, tous ceux qui font vivre la science sont des individus qui ont, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un caractère, un tempérament, des priorités, des préférences politiques, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, et tout cet écosystème, pourrait-on dire, s'inscrit dans le cadre plus global d'une société. On parlait à l'instant des lois qui régissent la recherche. Il y a bien évidemment une intrication entre le politique et le scientifique qui, de toute façon, existe, a existé, existera toujours. Une fois qu'on a dit ça, du coup, la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions qui permettent de garantir un maximum de cet effet bénéfique espéré de la compétition amicale et inamicale dont parlait Étienne Klein tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de garantir un maximum de liberté dans le travail des chercheurs pour que, précisément, nous ayons la certitude que les éléments produits, avancés par des scientifiques seront contestés, s'ils doivent l'être, par d'autres résultats, par d'autres expériences, ou seront en tous les cas mis en débat et mis en discussion. Et aujourd'hui, oui, c'est vrai, je crois que, de toute façon, une société démocratique saine, c'est une société qui s'inquiète d'elle-même, qui s'inquiète de sa propre santé démocratique, et je pense que aujourd'hui, nous aurions de quoi sans doute travailler pour reconstruire un plus grand idéal de la liberté académique, de la liberté pédagogique aussi d'ailleurs, pour garantir précisément que la discussion soit la plus ouverte possible et que, à chaque instant, le seul juge de paix, la seule valeur d'arbitrage dans le domaine de la science, ce soit précisément ces protocoles, ces processus scientifiques qui sont reconnus comme étant ce par quoi une compétition loyale des hypothèses peut s'exprimer. Alors, dans le domaine là, il faut rentrer dans la distinction des champs disciplinaires, mais c'est vrai que dans le domaine des sciences dites exactes ou des sciences dures, sans doute... tout cela joue-t-il moins, même si on parlait à l'instant de la médecine et de la manière dont la médecine avait été aussi un grand champ de compétition au cours de cette crise, ou en tout cas dont on a pu la voir reflétée dans le paysage médiatique de cette manière-là. Mais dans le domaine des sciences humaines dont je viens, il est absolument certain qu'aujourd'hui, malheureusement, l'idéal même de la liberté académique, l'idéal même de la liberté de la recherche, est en train d'être mis en question par certains régimes de discours qui interviennent pour questionner la légitimité quasiment morale de tel ou tel discours, de tel ou tel énoncé dans le monde universitaire, au motif que certains énoncés peuvent blesser, heurter, déranger, choquer. Eh bien, on en vient à expliquer qu'il faudrait qu'il n'ait plus cours à l'intérieur du monde universitaire. Alors que la seule chose qui devrait disqualifier un énoncé dans l'enceinte académique, dans l'enceinte de l'université, de la science, de la recherche, c'est la seule disqualification possible, devrait être celle d'une confrontation défavorable à l'expérience ou à la démonstration. Et le critère de falsification, finalement, finit par être révoqué au profit d'autres régimes de disqualification qui sont de nature plus politique ou morale, parfois même d'une nature quasi religieuse, qui pose pour le coup un vrai problème de fond. Il me semble que c'est aussi ce doute-là qu'il faut réussir à combattre aujourd'hui de manière assez déterminée. Et en disant ça, je ne prends pas... j'espère ne pas prendre une position politique qui soit d'un biais ou d'un autre, d'un côté ou d'un autre, mais exprimer ce qui, à mon sens, devrait être un idéal partagé et que nous voyons reculer. Un dernier mot peut-être pour dire aussi à quel point l'idéal même de la science, c'est-à-dire le projet même de la science, parce que la science n'est pas seulement un fait ou un objet, elle est aussi un projet, elle est aussi précisément une exigence, une intégrité, elle est
un chemin est, comme tout chemin, quelque chose en quoi on s'engage. Eh bien, cet engagement pour la science me semble aujourd'hui érodé. On le voit d'ailleurs aujourd'hui jusque dans les écoles où elle se pratique et où elle s'apprend, dans les écoles scientifiques, où on voudrait nous expliquer que peut-être on en vient à croire parfois que nous ne sortirons des erreurs que nous avons objectivement commises grâce au pouvoir que la technique nous a donné par la médiation de la science que par moins de science. Moi, je crois au contraire que si nous avons commis des erreurs, en particulier, par exemple, du point de vue de nos politiques touchant l'environnement, si nous avons commis des erreurs, eh bien, nous ne les corrigerons que par plus de science et pas par moins de science, que par plus d'engagement dans la recherche de la vérité et pas en tentant de renoncer à cet idéal que la science porte avec elle. Et je pense que c'est aussi un message que dans les écoles d'ingénieurs en particulier, on doit pouvoir partager ou avec lequel on doit pouvoir renouer pleinement. Madame Ruffy ou Monsieur Klein, êtes-vous d'accord avec ces positions sur les sciences sociales ? Bon, je ne suis pas connaisseur de ce qui se dit dans les sciences sociales. Moi, je remarque qu'en fait, dans les sciences sociales, il y a beaucoup de gens qui sont presque excommuniés, alors que dans les sciences dures, si quelqu'un dit une grosse bêtise à la télévision ou à la radio, il ne perd pas en crédit symbolique. Par exemple, Trump ou d'autres, ils peuvent dire des énormités, ça ne les affecte pas. Alors que une forme de politiquement correcte, quand elle vous est imposée, peut vous disqualifier. Mais je ne veux pas trop rentrer dans ce débat, parce que je le connais mal. Je voulais juste apporter une précision à propos du choix démocratique des grands enjeux de la recherche. Si on parle d'ingénierie quantique, disons l'ordinateur quantique, très étudié sur le plateau de Saclay, ou bien du génome, c'est précisément parce qu'on a une telle confiance dans la science qui fonde ces technologies qu'on n'attend pas de rupture. Autrement dit, on finance ces projets parce qu'on est sûr de ne pas avoir de surprise. C'est-à-dire qu'on sait que les études qui seront faites sur l'ordinateur quantique ne remettront pas en cause la mécanique quantique. Et donc je crains, et là il faut évidemment que démocratiquement on puisse trouver les moyens de discuter du type de compagnonnage que nous souhaitons avoir avec les nouvelles technologies, l'ordinateur quantique, l'intelligence artificielle, etc. Chose que nous sommes incapables de débattre, sauf en mettant en place des nouvelles structures qui sont à inventer ou à reprendre. Mais ce que je crains, c'est que les questions qui sont endogènes à la science, qui sont posées par l'avancée des connaissances elles-mêmes, soient liquidées dans ce processus. Et qu'on ne finance que des recherches dont on attend explicitement et à l'avance telle ou telle retombée positive. Et donc je pense que dans cette façon de procéder, il faudra distinguer les applications de la recherche fondamentale. Je crains qu'il n'y ait aucune demande sociétale à propos de la question de savoir si le neutrino est identique à son antiparticule. Dans les années 60, il n'y avait aucune demande sociétale pour le boson de Higgs. Et pourtant, la découverte du boson de Higgs n'aura pas d'application. On ne va pas faire des médicaments avec. Mais c'est une découverte qui a des implications philosophique incroyable sur la notion de masse. Donc si on avait de l'intérêt pour la connaissance, on prendrait ces résultats au sérieux de telle façon qu'ils modifient notre façon de penser la masse. Et si on ne fait pas cet effort, alors la recherche fondamentale va vivre dans son coin, dans une sorte de tour d'ivoire avec des financements qui viendront de je ne sais où, et la société elle-même se contentera d'un rapport intéressé à la connaissance, au sens où elle ne financera ou ne voudra financer que les promesses qui la concernent. Madame Ruffy, je vais vous laisser le mot de la fin. Peut-être juste une réaction pour peut-être nuancer. Si on pense par exemple à une science qui coûte très 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 cher et qui n'a absolument aucune application pratique, qui est par exemple l'astrophysique et la cosmologie, on ne peut pas dire que les gens renonceraient à financer l'astrophysique et la cosmologie. Donc je ne suis pas sûre. Si on pose la question aux gens, ils ne s'intéresseraient pas. Non, mais justement, il y a eu des retombées pratiques qui n'étaient pas prévisibles. Je ne suis pas sûre. Les décideurs politiques, oui, ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs pour se faire réélire, et ce qui est tout à fait
recevables. Les différents grands groupes d'intérêts dans la société ont des intérêts, mais je ne suis pas sûre de... Non, mais il y a des tas de découvertes fondamentales qui ont été retombées. Vous pensez que la recherche fondamentale y gagnerait davantage que dans les rapports de pouvoir qui se jouent dans les couloirs des ministères et de la Commission européenne en matière de programmation de la recherche? La vraie recherche fondamentale ne sait pas à l'avance ce qu'elle va trouver. Einstein, quand il écrit les équations d'Einstein, ne sait pas qu'à partir de 1990, on va pouvoir régler les GPS en tenant compte de la différence de champ gravitationnel qui influe sur l'horloge interne des satellites à différentes altitudes. Et donc, c'est une application à laquelle personne n'a pensé. Quand Paul Dirac prédit l'existence de l'antimatière, du positron, il ne sait pas que quelques décennies plus tard, il y aura des caméras à positron dans les hôpitaux. Ce n'est pas son problème, ce n'est pas sa question. Autrement dit, financer des programmes de recherche qui ont des déploiements garantis, ce n'est pas la même chose que de financer une recherche ouverte qui est promue par le questionnement interne des disciplines. Je pense que le grand public, à moins qu'on fasse de gros efforts de vulgarisation, ne connaît pas les questions, les petites questions qui sont peu nombreuses, c'est des grandes questions mais peu nombreuses, que se posent les cosmologistes aujourd'hui. Ou les physiciens des particules. Il y a 4 questions, 5 questions, complètement inconnues du grand public, et personne, s'il n'est pas informé, ne songera à financer ces questions. C'est ça le risque que je vois à vouloir tout décider à partir d'une demande sociétale ou de débats participatifs que je souhaite par ailleurs. Madame Ruffier, on va rapidement vous laisser répondre. Et je conclure. Voilà. Oui. Là, vous évoquez l'argument de l'imprévisibilité en science, hein, et c'est historiquement tout à fait vrai. Qui aurait pu prévoir le laser 30 ou 40 ans ou 60 ans après les débuts de la mécanique quantique, c'est vrai. Mais l'histoire des sciences est aussi remplie d'exemples où des travaux très appliqués, très finalisés ont donné lieu à des avancées tout à fait inattendues et qui ont contribué de façon tout à fait fondamentale à l'avancée des connaissances et à la résolution de problèmes endogènes. Un exemple très, très connu qui est souvent avancé, c'est la découverte du fond cosmologique par Penzias et Wilson, qui étaient très occupés à essayer d'améliorer la qualité des relations des signaux radio transatlantiques. Mais on l'aurait trouvé autrement. Ouais. On l'aurait trouvé autrement. Alors, une autre question. Autre dimension, c'est vraiment une question fondamentale. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui avec un... Et ça, c'est le revers. Je dirais que c'est le revers de la médaille du succès même de la science et de la recherche. C'est-à-dire que la science est considérée comme étant au cœur de nombre de projets de développement de la société, tout à fait utile à la décision politique, au développement économique, et la liste est longue. Hein, et donc, cette centralité, ce succès de la science, le revers de la médaille de ce succès de la science, c'est qu'on a... On voit que les attentes d'autres composants de la société, les attentes envers la science et la recherche, sont beaucoup plus pressantes et beaucoup plus ciblées, en raison même de ce succès-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « on est au centre de tout, grâce à nous, ceci, cela », et puis en même temps dire « mais laissez-nous continuer à chercher nos problèmes endogènes et dans 60 ans, vous aurez le prochain laser ». Peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un régime de rapport entre la science et d'autres composants de la société, où on peut, et c'est une question politique, il me semble, on peut considérer qu'il est, étant donné encore une fois l'efficacité de la science que l'on a évoquée, qu'il est légitime aujourd'hui de ne pas attendre le prochain laser dans 60 ans, mais d'attendre que la science contribue de façon plus ciblée à la résolution de certains problèmes sociétaux, ce qui n'enlève rien à sa richesse, à sa fécondité. Et ça, l'histoire des sciences montre que la résolution de problèmes pratiques peut déboucher sur des avancées fondamentales inattendues, tout aussi fécondes que lorsqu'on arrive dans notre laboratoire et on dit « ah bah tiens, et là je parle aussi pour la philosophie, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais chercher aujourd'hui ?» Stéphanie Ruffy, Étienne Klein, François-Xavier Bellamy, merci beaucoup pour ces merveilleux échanges. Pour clôturer cette discussion, nous allons passer à quelques questions du public. Bonsoir. Bonsoir, je suis ici. Ici, devant. Tout d'abord, merci à tout le monde, à la fois aux intervenants et puis à l'association pour avoir organisé cet événement. Moi, je voudrais poser une question tout simplement sur l'état actuel de la société, puisque c'est un peu dans cet état qu'on demande la question de si la science dit la vérité. Donc, avant tout, avant de poser cette question, je voudrais revenir sur ce qu'avait dit
M. Bellamy, où il parlait de justement qu'est-ce qu'on attend de la science. Et donc, dans ce contexte-là, on peut quand même diviser la science en deux parties. Donc celle-là, la partie de la science que M. Klein décrivait comme la science fondamentale, qui finalement n'attend rien et n'a pas vraiment d'objectif social. Et puis l'autre partie dont vous avez parlé ensuite, qui est la partie plus, on va dire, applicative et sociale. C'est sur cette dernière partie que je veux m'attarder, puisque c'est celle qui est le plus sujette à scepticisme, notamment aujourd'hui avec la question du changement climatique et puis de la crise sanitaire que j'espère qu'on nous espère en terminer. Donc la question, ce serait dans une science en urgence, dans la science en urgence dans le domaine climatique, quelle est la place des scientifiques, puisqu'ils doivent à la fois se placer en tant que chercheurs et en tant que scientifiques? Est-ce qu'on doit apprendre aux scientifiques à faire de la rhétorique pour convaincre les politiques, puisque c'est vraisemblablement ce dont on a besoin? On a besoin de convaincre des gens et pas forcément de leur dire de comprendre, puisque ils ont compris, mais ils ne changent pas d'avis. Donc, j'aimerais surtout écouter l'avis de M. Klein, puisque vous êtes plus de l'aspect fondamental, donc j'imagine que cette question vous énerve un peu, mais voilà. Merci. Alors, je vais répondre, parce que vous savez, il y a un grand labo de climatologie tout près de l'école centrale, à l'Orme des Merisiers, à 800 mètres d'ici, au sein duquel les chercheurs se posent la question que vous évoquez, à savoir, quelle est la priorité? Est-ce que la priorité, c'est de publier un nouvel article dans une revue scientifique? Ou bien est-ce que la priorité, c'est de faire un travail de militant ou de pédagogue pour alerter sur la gravité de la situation? Ce débat, il n'est pas localisé à ce plateau, puisque la semaine dernière, l'éditorial de la revue Nature posait cette question et concluait en disant « Il est légitime que les chercheurs appellent à la désobéissance civile, comme on dit, si les gouvernements qui les accueillent, ou qui les dirigent plutôt, ne tiennent pas compte de l'urgence climatique. » Et donc, il y a cette tension entre travail de recherche et travail de lanceur d'alerte ou de militant, qui me semble transparaître dans votre propre question. Et je dirais une chose presque banale, c'est que quand une découverte scientifique importante n'a pas de conséquences sur notre façon de vivre, sur notre consommation, etc., il y a très peu de gens pour la contester. Par exemple, quand il y a eu la découverte du boson de Higgs, excusez-moi d'y revenir, on n'a pas vu paraître en librairie des livres intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Par contre, quand c'est une découverte, comme celle très ancienne, de l'effet des gaz à effet de serre sur le changement climatique, là, on trouve toutes sortes de gens qui expliquent que la science, c'est le doute, et qui déploient toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous n'y croyons pas. Mes collègues climatologues, dont Valérie Masson, qui travaille là et qui est issue de cette même école, elle raconte la même chose, je ne veux pas trahir son âge en le disant, elle raconte la même chose depuis 30 ans. Et on lui a mis en face des gens comme Claude Allègre, qui disait « Mais la science, c'est le doute. Donnez-moi votre nombre de publications. Comparons-le au mien. » C'est moi qui ai raison. Et les médias ont beaucoup servi cette soupe climato-sceptique. Et donc, il faut interroger le fait que, voilà, il y a des vérités qui dérangent, comme on dit, et pour elles, nous sommes sceptiques. Un petit mot aussi sur la responsabilité des jeunes. Il y a quelques années, il y a 3 ans, il y avait dans toutes les grandes capitales du monde, presque, des manifestations de jeunes gens pour le climat. Et évidemment, ils sont les premiers concernés, donc ils réclament que des mesures soient prises. Et j'ai assisté à l'une de ces manifestations au départ, qui était à Port-Royal, et j'ai discuté avec une dizaine de jeunes, élèves de terminale, de grandes écoles ou d'universités, qui étaient très... Ils m'ont surpris parce qu'ils argumentaient très très bien. Ils avaient une rhétorique, très conscients des problèmes, beaucoup plus matures sur l'état du monde que ma génération au même âge. C'était impressionnant. Et au bout d'une heure, j'aurais demandé, mais au fait... C'est quoi l'effet de serre?
c'est quoi l'effet de serre? Évidemment, ils ne savaient pas. Ce qui est normal, ils sont jeunes. Mais il y a un moment, il faudra qu'ils sachent. Parce qu'après, je me suis amusé à tenter de les retourner avec des arguments climato-sceptiques. Ouais, du gaz carbonique, il y en a de façon naturelle, émis par les volcans. Ce qu'on émet, nous, en tant qu'humanité, c'est que dalle par rapport à... Enfin, c'est une proportion négligeable. Comment un petit effet pourrait produire une cause massive, celle dont on parle? Et puis, on mesure les températures en degrés Celsius. On dit que ça va monter de 1,5 degré sur 20 degrés en moyenne. Mais vous savez bien que la bonne échelle des températures, c'est les Kelvin. Et quand on mesure en Kelvin, l'augmentation en relatif est beaucoup plus faible. C'est moins du pourcent. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Et je les ai presque retournés. Autrement dit, on est dans une situation où sur toutes les questions importantes, l'énergie par exemple, le nucléaire, il y a des tas de sujets pour lesquels il y a une décorrélation entre la militance et la compétence. Voilà. Et ce n'est pas du tout tenir un discours élitiste que de dire que pour régler les problèmes et les défis qui se posent à nous, il faudra de la compétence. Que la militance, ça ne suffit pas. Et c'est même la compétence qui devrait induire la militance. Mais si vous regardez les débats sur l'énergie, qui se résolvent à coups de tweets, comme si, par exemple, il y avait une opposition entre énergie renouvelable et énergie fossile. Bon, on n'a jamais fait fonctionner l'énergie renouvelable sans énergie fossile. Les panneaux photovoltaïques, il faut des minerais, il faut les extraire, il faut les transporter, il faut du fossile. Et le nucléaire, par exemple, et d'autres formes d'énergie sont jugées non pas à partir de la connaissance objective de ce que sont ces énergies, mais à partir de leur halo symbolique. On aime, on n'aime pas. Et donc, sur ces questions qui demandent de la compétence, on se transforme en une société des affects. On est sur Facebook. J'aime, j'aime pas. On ne va pas s'en sortir comme ça. Et c'est donc aux ingénieurs de prendre la parole. On les entend très peu dans ces débats, les ingénieurs. Les ingénieurs, en général, ils sont compétents et ils sont modérés. Et les gens modérés s'engagent modérément. Voilà. Et laissent place à des gens qui ont des discours très tranchés. Ils sont pour, ils sont contre. Et le fait d'avoir un avis tranché vous dédouane de l'obligation de vous instruire. Par exemple, si vous êtes pour le nucléaire, eh ben je vous demande, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'aluminium? Si vous ne répondez pas, mauvais signe. Si vous êtes anti-nucléaire, je vous demande, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales et pas du plomb? Ben, si vous ne savez pas, ça veut dire que vous avez jugé de la question à partir d'une espèce de halo, que vous soyez pour ou contre, vous êtes contenté d'un jugement parfaitement subjectif, complètement décorrélé de la connaissance objective de la réalité dont vous parlez. Et il me semble que cette tendance peut être contrecarrée par un engagement des ingénieurs sur les questions pour lesquelles ils sont compétents. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils doivent décider à la place du politique. Il ne s'agit pas d'instaurer une dictature technologique, mais d'éclairer les débats pour que, dans chacun des débats qui pourraient se tenir, on sache de quoi on parle, les experts expliquent, on organise une discussion démocratique, et ensuite le politique doit gérer les avis qui sont rendus. On va prendre rapidement une seconde question du public. Ici. Merci. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche, mais bon. Alors, ma question était surtout par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ok. Ce qui se passe réellement un peu dans le monde réel, parce qu'en soi, vous parliez de science, de thèse, de recherche, etc. En réalité, les personnes qui sont toutes présentes dans cette salle, et à mon avis dans le peuple général, ne sont pas sur Google à regarder les différentes thèses qui ont été publiées. Ils vont directement regarder ce qui se passe sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé, c'est la partie des intérêts de chaque partie pour se renseigner. Par exemple, dans les réseaux sociaux, on peut parler de certains sujets, mais pas forcément d'autres. Donc forcément, on n'a pas forcément enclin d'avoir une certaine opinion quand justement elle n'est pas forcément mise en avant. C'est bien plus rémunéré de parler en bien de la veuve et de l'orphelin, mais par exemple, parler d'un sujet qui est tabou, c'est pas forcément quelque chose qui est positif pour quelqu'un, pour son emploi par exemple.
ou puis même pour ses amis de manière générale. Donc en soi, moi je pense que vous n'avez pas vraiment parlé de ce qui se passait entre le monde réel, donc la recherche, et ce qui se passe réellement. Parce qu'en soi, tout ce qui est marketing, tout ce qui est ex-présenté, etc., c'est encore autre chose. Et malheureusement, je pense que c'est surtout ça qui va dicter en fait l'avenir, plus que la vérité factuelle qui est présente sur des PDF créés par des recherches, les personnes qui ont fait les recherches. Donc du coup, comment est-ce que ça se passe réellement, selon vous, pour que les personnes soient justement mieux informées et qu'au final, il n'y ait pas ce genre de situation où on se retrouve avec des vérités qui sont présentées d'un côté et des personnes qui ont des opinions clivantes. Voilà. Donc une question d'intérêt et aussi de responsabilité personnelle qui n'a pas forcément été abordée et que j'aurais bien voulu que vous exprimiez. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si on a complètement manqué la réalité parce que la vraie réalité est sur Instagram, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est là qu'aujourd'hui, une partie du débat public se joue. Vous avez tout à fait raison de le dire. Ce qui me permet de dire, ma réponse sera extrêmement courte, que on vit dans un monde où on fait face à des défis qui n'ont jamais été aussi globaux, qui n'ont jamais appelé autant de connaissances. J'aime beaucoup votre expression de le ticket d'entrée cognitif. C'est vrai que pour être un citoyen éclairé et qui vote de manière responsable au début du 21e siècle, il faut avoir absorbé infiniment plus de connaissances et de compétences, ou en tous les cas être capable de s'y familiariser, que un citoyen d'Athènes ou de Sparte au moment de la naissance de la police, de la forme politique telle que nous l'avons héritée. Mais du coup, ça me permet de souligner, et ma réponse tient en un seul mot, ça me permet de souligner l'importance décisive de l'école. On n'a jamais été dans un monde où le savoir était aussi important pour affronter les défis auxquels nous sommes confrontés et pour délibérer de manière responsable comme citoyen. Et malheureusement, et c'est peut-être une partie du malheur français aujourd'hui, on n'a jamais vécu dans une époque, dans l'histoire récente de notre pays, où l'école ait été à ce point fragilisée. Et ça, vous devez le savoir. Vous avez la chance d'être dans une magnifique école d'ingénieurs. Mais sachez que vous êtes aujourd'hui dans un moment de notre histoire où l'école française n'a jamais été aussi inégalitaire. C'est l'école la plus inégalitaire de tout le CDE, c'est-à-dire celle qui produit la plus grande différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Et deuxièmement, dans tous les classements récents, dans les enquêtes internationales, nous accumulons des records nous accumulons des classements records en négatif. Prenez l'enquête TIMSS, qui est une enquête internationale dont personne ne conteste le sérieux, une enquête internationale qui est effectuée à intervalles réguliers sur les connaissances des élèves en mathématiques. L'année dernière, la dernière édition de l'enquête TIMSS a montré que nous étions les derniers de toute l'Union européenne en mathématiques, les derniers. Vous savez, quand vous faites de la politique, parfois, il faut apprendre des statistiques un peu élaborées, compliquées, avec des chiffres bizarres. Là, c'est facile à retenir. On n'est pas les avant-derniers, on n'est pas 26e sur 27, non, on est les derniers. Et ça me paraît être un risque majeur. D'abord parce que c'est une immense injustice à l'égard des générations futures, qui ont raison de demander qu'on leur transmette une nature qui soit encore vivable, mais qui ont aussi raison de demander qu'on leur transmette une culture qui puisse faire que les hommes restent humains. C'est un sujet majeur d'injustice politique, mais c'est aussi un enjeu très grave du point de vue démocratique. Parce que la fragilisation de la raison commune, la fragilisation de la rationalité, au-delà même de la connaissance en mathématiques, il n'y a pas seulement la fréquentation des axiomes et des postulats, il y a aussi une certaine connaissance de la rationalité. Pour savoir qu'on n'est pas compétent, il faut déjà savoir beaucoup, comme le disait Étienne Klein. Et finalement, rien n'est pire que l'arrogance de l'ignorance absolue. Rien n'est pire, y compris du point de vue politique, et peut-être d'abord du point de vue politique, que l'ignorance qui ne se connaît pas elle-même comme ignorance. Et ça, c'est le grand danger auquel nous sommes confrontés, il me semble. Et ce ne sera pas de la faute des générations qui naissent de ne pas savoir comment fonctionnent les moyens technologiques par lesquels, dont nous sommes aujourd'hui dépendants pour les actes les plus simples de notre vie quotidienne, mais ce sera de la faute de nos propres institutions qui sont aujourd'hui en faillite dans l'un de leurs devoirs les plus essentiels, qui est celui de cette tâche fondamentale que l'école a pour mission. Et je crois que si on en est conscient, si vous en êtes conscient, vous devez aussi vous en sentir responsable. Dire que vous êtes les héritiers qui ont eu la chance de bénéficier
pour des raisons qui tiennent aussi à la réalité sociologique de notre pays, et j'en suis un aussi, dire qu'on a eu la chance de bénéficier d'une éducation, d'une école qui fonctionnait et qui fonctionnait bien, ça ne doit pas être une occasion de culpabilité, mais c'est une occasion de responsabilité. Parce que ça veut dire qu'on doit tous s'engager pour ce qui constitue, à mon avis, la tâche première du point de vue politique, notre premier devoir aujourd'hui, celui qui nous permettra de lutter contre la déraison commune qu'on voit fleurir en effet sur les réseaux sociaux. Si on ne veut pas que les jeunes de demain s'informent uniquement avec Instagram, c'est-à-dire ne s'informent pas sur la réalité des problèmes qui sont devant nous, alors notre tâche fondamentale, c'est de sauver la raison, et pour sauver la raison, de sauver l'école. Allez-y, Madame Ruffi, pour le mot de la fin. J'ajouterais juste qu'il est, il me semble absolument essentiel, et on ne le fait pas assez, je pense, à tous les niveaux de l'éducation, c'est de développer ce qu'on pourrait dire l'expertise sur l'expertise. C'est-à-dire parce que l'essentiel de nos connaissances aujourd'hui sont des connaissances par procuration. Et donc, on a très peu accès, même quand je dis que je connais l'altitude du Mont-Blanc, je ne suis pas allée faire l'expérience au haut du Mont-Blanc. C'est-à-dire que je fais confiance à des gens qui ont fait l'expérience, et donc je m'en remets à des experts. Donc, si on y songe, vraiment, l'essentiel de nos connaissances aujourd'hui sont des connaissances par procuration. Et c'est très bien comme ça. Ce qui rend crucial la question de savoir pour quelle raison je vais plutôt croire l'expert A plutôt que l'expert B. Je n'ai pas les moyens d'accéder à la justification de ce que dit l'expert A ou à la justification de ce que dit l'expert B. Autrement, je serais expert moi-même. Par contre, il faut que je sois mieux équipé pour pouvoir dire, cet expert-là, j'ai de bonnes raisons de lui faire confiance plutôt que cet expert-là. Et ça, on ne le fait pas assez. Il y a des façons de développer cette expertise sur l'expertise. Et ça me semble absolument essentiel pour répondre à la question qui a été posée et pour aussi répondre à l'importance de l'éducation. Et juste pour finir, pour rebondir, il me semble qu'il y a une grande différence entre le boson de Higgs et le réchauffement climatique. Il y en a plein. Mais c'est que le boson de Higgs, il n'appelle pas d'actions qui vont contre notre mode de vie, contre nos intérêts économiques, voilà. Et donc la question, il ne faut pas surestimer, survaloriser la question de la connaissance du phénomène. C'est avant tout une affaire de valeur et de politique. Et d'ailleurs, si vous prenez les fumeurs, un fumeur peut parfaitement connaître ce qui se passe quand il fume, c'est pas pour ça qu'il va arrêter de fumer. Donc il faut pas trop charger la barque de la responsabilité du scientifique, parce que on peut être parfaitement au courant de ce qui se passe et néanmoins ne pas changer nos habitudes de vie. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire de cela. Une petite anecdote là-dessus. La découverte du boson de Higgs a été annoncée le 4 juillet 2012. Aucune réaction politique, mais beaucoup de traitement de l'information dans les médias. Et le 17 juillet, un article paraît dans Le Monde, écrit par Gabriel de Monrose, un monsieur très âgé qui avait été ambassadeur de France au CERN au moment de la création du CERN en 1954. Donc très âgé. Il écrit un article de quelques dizaines de lignes dans lequel il explique que la découverte du boson de Higgs aura autant de conséquences économiques et technologiques que la découverte de l'électron. Ce qui est évidemment complètement faux, mais il s'est laissé aller à son enthousiasme. Et du coup, plein de personnalités politiques sont venues visiter le CERN à partir de la publication de cet article et ont vite compris que non, il n'y aurait pas d'application. Mais on leur a fait croire qu'on venait de comprendre l'origine de la masse des particules élémentaires. Et que du coup, il n'était pas exclu qu'un jour, un brillant ingénieur utilise cette découverte pour fabriquer une machine qui résoudra un problème de santé publique, qui est l'obésité. On pourra changer la masse des gens parce qu'on a compris l'origine de la masse. C'était évidemment une blague. Et notre problème à tous, c'est qu'il l'a cru. Jusqu'à ce qu'on démente. Ça veut dire que sur ces questions-là, on peut raconter à peu près n'importe quoi, tout en restant crédible. Voilà, ce qui pose une autre question, qui est comment est-ce qu'on transmet, entre guillemets, la vérité dans ce type de circonstances. Madame Ruffi, Monsieur Klein, Monsieur Bellamy, merci beaucoup pour cette conférence et ces échanges. On tient à remercier Iris pour la régie de la conférence, PIX, la Dépiète, KPMG, notre sponsor, la Fondation Centrale Supélec, et enfin l'école pour son soutien. Merci à tous d'avoir suivi cette conférence et merci de suivre les indications des staffeurs pour sortir de l'amphithéâtre ou se rendre au buffet. Bonne soirée à tous. On n'a pas de question.